or he lends. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God, and he is that made us, and not we ourselves. We are his people, the sheep of his pasture. Enter into his gate with thanksgiving, and into his court with praise. Be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. Amen. Pass me not, O gentle servant, hear my humble cry. Thank you.
give us to us again the breath of life again. That's why we are here, to worship you. And all fathers, we listen to that word. Father, bless this moment as you see in the word. Where two or three are gathered in my name, I'll be in their midst. Father God, we believe that you are here at this moment. Father God, bless your people that has come, not to show off, but to listen to you, O Father God, speaking. Bless your servant that you have prepared, O Father God, for this morning, to bring the word of Father God. Inspire him again, O Father God. We want to hear from you, O Father. Bless each one of us. You know our needs. You know what we require, but Father God, you know what we want, O Father God. Bless your people. Bless the moment, the musician, and everything on children. In the mighty name of Jesus, we ask and pray. Amen. Amen. We're going to do some next song. Thank you.
Oh,
pour ce moment merveilleux. Partage ton nom, permets-moi de partager l'histoire de la rédemption, Seigneur. Viens, Seigneur, et donne-nous cette attaque spirituelle. Bénis, Seigneur, avec ce que nous avons effectué. Bénis, Seigneur, tous les services, comme nous avons pu apporter cette épouse, mais dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Revelation chapter
du fruit. Puis j'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et admirable. And I saw another sign, great and marvelous. Cet ange qui tenait cette fléau, le dernier, et cette fléau. Seven angels having the seven last plagues. Le dernier. For in them, last plagues. Car par eux s'accomplit la colère de Dieu. For in them is filled up with the wrath of God. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. And I saw as it were a sea of glass melted with fire. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom debout sur la mer de verre ayant les armes de Dieu. And them that had gotten the victory over the beast and over his image and over his mark and over the numbers of his name. Et ils chantaient les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau en disant tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, roi des nations. Standing on the sea of glasses, having hearts of God. And they sing the songs of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, great and marvelous are thy works. Amen. Béni Seigneur le Dieu de ta parole. Vous pouvez asseoir avec le Seigneur. Merci, merci, de l'ordre. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons aborder les coupes, les sept coupes et fléaux. As I said today, we're going to bring on the seven veil and the seven plagues. Amen. Ce livre d'Apocalypse, this book of Revelation, c'est écrit en symboles. It's written in symbols. Tout ce qui est écrit là, everything that is written in there, c'est écrit en symbole. It's written in symbol. Les gens seront surpris. People will be surprised. Ou ils ne savent pas. Or they don't even know. Que les fléaux sont déjà là. That the plagues are already here. Amen. Parce qu'il y a même des maladies qui existent maintenant qui n'existaient pas avant. There's even sicknesses that are existing now which did not exist before. Tous les jours nous vivons. Every day that we're living. Il y a des nouvelles maladies. There are new sickness. Amen. L'homme a tellement pollué la terre. The man has destroyed the earth. Qui ramène les malédictions lui-même. That he bring to himself curses. Ici dans le livre d'Apocalypse. Here in the book of Revelation. On dit qu'il y a un signe au ciel. They say there's one sign in heaven. Un autre signe grand et admirable. A great sign and a marvelous sign. Donc il y avait sept anges. That means there are seven angels. Qui tenait sept fléaux. Which had seven plagues. Et les sept fléaux là. And the seven plagues. C'était les derniers. It was the last. Donc c'est-à-dire que les fléaux existaient déjà. That's mean plagues already existed. Mais ici on parle des sept derniers fléaux. But here they're speaking of the seven last. Qui devait être jetés sur la terre. Which was supposed to be thrown on earth. On dit car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Because they said in them I come filled up the wrath of God. Amen. Avant d'arriver là-bas, before getting there, je vais lire quelque chose là dans le livre des exposés de Jésus. I'm going to read something in the book of exposition of the church. Le présent volume, c'est dans l'introduction de l'exposé des âges. It's in the introduction of the seven churches. Le présent volume, même s'il traite de plusieurs doctrines importantes, the first part, even if it's dealing with the important doctrines, telles que la divinité, as the deity, le baptême d'eau, the baptism of the water, dont il est question dans les chapitres 1 à 3 de l'Apocalypse. Which is in chapter 3 to 4 of our Revelation. A pour but principal de fournir une étude détaillée de cet âge de l'Église. Has the purpose to study a deep study of the church ages. Amen. Donc ce livre, that this book, des âges de l'Église, of the church ages, a pour le but principal, has the purpose, the main purpose, de donner une étude détaillée, to give a detailed study, des âges de l'Église, of the church ages. Il dit cette étude s'impose. C'est this study requires
God that prayer. Donc, cette étude s'impose comme préalable. This studies, donc, prayer, c'est une obligation. It's a must, an obligation. Amen. Donc, raison pour laquelle les gens ne comprennent pas la suite du livre de l'Apocalypse. That's the reason why people do not understand the part of the church. Parce qu'ils n'ont pas fait une étude détaillée. Because they did not do a detailed study. Des âges de l'Église. Of the church ages. Voilà pourquoi nous avons la parole. That's why we have the. Nous avons les autres. We have all these disorders. On parle des choses des âges de l'Église. We speak of things of the church ages. Pendant que les âges de l'Église sont déjà préférés. Why the church is already finished? On parle de promesses qui devaient arriver de l'Apocalypse 1 à 3. We're speaking of the promise that was supposed to come of Revelation 1 to 3. On parle de ça lorsque après la naissance de la pierre. They speak of it after the coming of the headstone. Parce qu'ils ont manqué les âges de l'Église. Because we missed the church ages. Écoutez, listen. Cette étude s'impose comme préalable à celle du reste de l'Apocalypse. Pourquoi? Car les âges sortent des sceaux. Because on the church, after the churches come the seals. Des âges sortent des sceaux. Out of the churches come out the seals. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas de sceaux. There's no seals. Si les âges ne sont pas encore finis. If the church has, the ages has not finished. D'ailleurs, le frère Branham le dit. Le frère Branham says. Les sceaux ne sont pas ouverts dans les âges de l'Église. The seals are not open in the church ages. C'est ouvert en dehors des âges. They are open outside of the church. Amen. Quand les âges sortent des sceaux. Out of the ages come out the seals. The soul sort the trumpets. Out of the soul, the seals come off the trumpets. And the trumpet sort the coup. And out of the trumpet come out the veil. Amen. Donc tout ça c'est lié. All that are attached. Voilà pourquoi je vais vous that's what Romain said. L'étude détaillée de cette Jésus-Christ c'est bon comme préalable. That's what Romain said. It's important the study of detailed study of the church ages. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons seulement étudier une chose. Today we're going to study one thing. Nous allons étudier la mer de verre. La mer de verre, the sea of glass. The sea of glass. Au verset 2. In verse 2. La Bible dit. The Bible says. Et j'ai vu comme une mer de verre. And I saw as it were a sea of glass. Mêlé de feu. Mingle the fire. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image. And them that had gotten the victory over the beast. Et le nombre de son nom. And over his image. And debout sur la mer de verre. Ayant des armes de Dieu. Amen. 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 Et ils chantent les cantiques de Moïse. And they sing the song of Moses. Donc, c'est quoi la mer de verre? So what's the sea of glass? Souvenez-vous de l'époque, quand Moïse avait construit le tabernacle. Remember when Moses built the tabernacle? Il avait pris les modèles au ciel. He took the example from heaven. Donc, tout ce qui a été représenté dans le tabernacle, everything that was presented in the tabernacle, c'était un modèle qui était conçu au ciel. It was a model which was made up from heaven. Et avant d'entrer dans le tabernacle, and before entering into the tabernacle, nous avons d'abord les cuves des reins. Ok. Ça, c'est le tabernacle. This is the tabernacle. Ok. Ici, nous avons le Saint des Saints. There we have the Holy of Holies. Ici, nous avons le lieu saint. And we have the holy place. Là où il y avait les chandeliers. Where the candlestick was. Amen. Qui diffère les âges de l'Église. Which means et ici on avait les levants. And then we have the levant. C'est ça la cuve de rein. That's it. Et dans cette cuve de rein, il y avait l'eau. And in there was water. L'eau qu'on s'est servait pour laver les sacrifices. And that water was used to wash the sacrifices. Amen. Mais quand Jean voit. And when John saw. Il voit cette eau-là. He sees that water. Il dit que c'était la mer de glace. He says it was a sea of glass. Et la mer-là était claire comme du cristal. And that water was so clear.
Et sur cette mer-là, il y avait ceux-là qui avaient vaincu la bête. Et ils ont vaincu le nombre de son nom. And the number of his name. Ils étaient debout sur la mer de verre. And he stood on the sea of glass. Ayant des armes de Dieu. And having the ark. Oh, nous savons une harpe, c'est un instrument. And we know the ark is an instrument. Il jouait la musique. He was playing music. Et il chantait les cantiques de Moïse. And he sang the songs of Moses. Les serviteurs de Dieu. The servant of God. Mais c'est quoi la mer de glace? But what's the sea of glass? La mer de glace. The sea of glass. C'est lorsque la parole a été retirée de nous. It's when the word has been the word is removed from us. Vous allez voir que avant de verser le coupe et le fléau, you see before pouring the cup and the veil and the plates, il fallait qu'il y ait d'abord le départ. It has to be a departure first. Amen. Il fallait qu'il y ait d'abord le départ. It has to be a departure. Et le Seigneur nous dit que dans ce monde, dans cette mer de verre, what I'm saying that. Sea of glass. Il y avait des gens qui étaient debout là. There were people standing there. Il dit c'était quoi? C'est what was it? Il dit que la parole était retirée de la terre. He said the word was removed from earth. Amen. Amen. Donc avant que le fléau puisse tomber, before the curse come in, l'épouse devait être ôtée. The bride was supposed to take away. Et l'épouse and the bride, c'est la parole. Is the word. Amen. Amen. L'épouse est pas encore. And the bride is not our body. L'épouse est la partie de Dieu. The bride is a part of God. Oh, Dieu est esprit. God is the Spirit. Alors, si vous êtes une partie de Dieu, and if you are a part of God, donc vous êtes comme lui. That means you are with him. Donc votre partie, your part, qui est Dieu, which is God, c'est votre âme, is your soul. Rien à voir avec la chair. Nothing to do with the flesh. Amen. Amen. Donc la parole fut retirée sur la terre. The word was removed from the earth. Et c'était la mer de glace. It was the sea of glass. Préparant la venue des fléaux et des coupes. Preparing the coming of plagues and veil. Comment est-ce que les coupes venaient? How did the veil come? C'était lorsque Dieu envoie un messager. It was when God sent a messenger. Il amène un message. He brings a message. Il amène les gens dans une nouvelle dispensation. Takes people to a new dispensation. Et une fois que le messager quitte. And once the messenger leaves. Les gens vont s'entourer sur tout. People will go around. La chose qui est déjà organisée. Of the thing which was organized. Et on commence. They will start a denomination. Et lorsque Dieu va envoyer un autre message, when God sent another messenger, pour marcher avec la parole, go forward with the word, then you refuse. Then you refuse. Il reste là. They stay there. C'est comme les Juifs. It's like the Jews. Ils sont sortis de l'Égypte. They came out from Egypt. D'abord, ils étaient en Égypte. First, they were in Egypt. Habitués à la nourriture de l'Égypte. Used with the food of Egypt. Ils aimaient tellement la bouffe de l'Égypte. They loved the Egypt food. Et le concept de l'Égypte. And the way of Egypt. Quand Moïse est venu, when Moses came, pour amener quelque chose de nouveau, to bring something new, accomplir une promesse qui était dans la Bible, to accomplish a promise which was in the Bible, ils se sont opposés à Moïse. They opposed themselves to Moses. Moïse vient. Moses dit que l'Éternel nous avait promis. He said, the Lord has promised. Après 400 ans, after 400 years, nous irons hors de l'Égypte. We will go out of Egypt. Amen. C'était une promesse. What's the promise? Et quand le temps arrive, when the time comes, Moïse est venu. Moses came to you. When we were sorti, he told them we had to come up. Is it a thing that they were so used? Malgré le bruit, malgré le bruit, even those bricks breaking the bricks that they were doing, but is it a thing? They love Egypt. C'est comme les gens aujourd'hui. It's like people today. Malgré la souffrance des cailloux. Even the suffering of work. But is it toujours resté en Egypt? They still want to stay in Egypt. Ils refusent d'aller dans la théophanie. They don't want to go to Japan. Amen. Comme des frères pour les dimensions. I say your prayers in the dimension. Si on demande à quelqu'un, si on demande à n'importe qui, if you ask people again, combien de temps tu veux vivre? How many years do you want to live? 85, 85, 90, 90, 100. Amen. Mais Jésus n'a pas été en troisième de match. Jesus only been 53 years and a half. Amen. On est tellement habitués. We are so used. Malgré les factures qui nous menacent, even though we have our bills coming, on veut quand même rester. We still want to stay. Amen. Ils étaient aussi pareils. They were also the same. Malgré les corvées. Malgré les travaux, even the work they were faisant, the work they were faisant, but he still wanted to stay. Moïse est venu, Moses came, pour les libérer de l'esclavage, to break them from that slave. Et ils se sont opposés à lui. They stood against him. Amen. Amen. Lorsqu'ils étaient sortis de l'Égypte, when they came out from Egypt,
Tout le mouvement, comme c'était un mouvement. Yes, it was movement. Un mouvement de base, c'est new movement. Et tout le monde a suivi. And everyone followed. En réalité, il y avait des gens qui avaient suivi Moïse. The people that followed Moses. Ils étaient restés en Égypte. By the state in Egypt. Donc le corps était sorti. The body left. Mais la pensée, by the mind, Égypte. Egypt. Amen. Parce que Dieu ne peut pas envoyer un prophète. Because God cannot send a prophet. Pour vous montrer les choses qui sont déjà passées. Show you things which already passed. Amen. Donc ça c'est l'Égypte. So that's Egypt. Et quand ils sont dans le niveau des airs. When they got into. Il dit à Moïse. Pourquoi tu nous amènes ici? Why are you taking us here? Il y en avait-il pas des sépulcres en Égypte? They were no place places in Egypt. Des sépulcres, ça n'était pas en Égypte. They were no tombs in Egypt. Donc ils savaient même être derrière l'Égypte. They even wanted to be buried in Egypt. Ils aiment l'Égypte. They loved Egypt. Moïse, Moses, nous allons périr ici. We going to die. Non, là-bas, there, on mangeait le magno. We were eating magno. Le magno de Pharaon, c'était quoi? Magno, Pharaon magno. On mangeait le haï. We were eating haï. Garlic. Garlic. Et pourquoi tu nous amènes ici? How, why are you taking us here? Donc, ils aimaient la bouffe de l'Égypte. They love Egypt. Donc, malgré qu'ils étaient partis avec Moïse, even though they went to Moses, toute la pensée c'était l'Égypte. All their mind was in Egypt. Oh, quand Dieu avait dit à Moïse, when God told them, fait sortir le peuple, he said to take the people out. Il devait sortir avec toute leur pensée. They were supposed to go out with all their minds. C'est-à-dire, l'endroit devait changer. That means the place was supposed to change. Et aussi, la nourriture devait changer. And the food was supposed to change. C'était la nourriture. It was the food. Oui. Yes. Mais une autre sorte de nourriture. But another kind. C'était leur amant. It was a man. Et cette manne-là, c'était pas préparé par la haine. It was not cooked by a man. C'est Dieu lui-même qui veut porter le salut. Pouring it. Amen. Amen. Donc une manne spéciale, special man, venant tout droit de Dieu, coming straight from heaven. Mais une chose, but one thing, cette manne-là, that man devait être mangée ce jour-là. Was supposed to eat on that day. Si ça ne passe ce jour, if it passed today, c'est contaminé. It's contaminé. Et ça devait influer. It becomes a problem. It gives you sickness. Voilà pourquoi les gens sont malades. That's why people are sick. Vous n'avez pas le fléau. Beaten by the tide. Une manne contaminée. A contaminated man. Amen. Amen. Parce que moi je ne vous amènerai pas un message catholique. I will not bring you a Catholic message. Si jamais un message catholique. If a message, a Catholic message. Donc ça serait bien que tous là on ait un message catholique. It will be better for us all to go in Catholic message. La raison pour laquelle nous sommes ici. The reason why we're here. Parce que nous voyons différemment de toutes les églises. Because we see different from those other churches. Parce que si je voyais comme des protestants. If I was seeing a Protestant. J'allais prendre tout le monde, nous allons. I'll take everyone, we'll go to Protestant. Amen. Même dans le message, giving the message, il y a des gens qui ne croient pas comme nous. There are people who don't see like us. Nous nous regardons à ce que Dieu a dit. We looking at what God said. Et Moïse avait une commission. And Moses had one commission. Il fait sortir les peuples. Take the people out. Donc la contestation des enfants d'Israël. The children of Israel were against. Cela ne comptait pas pour Moïse. That didn't give me anything to Moses. Amen. Ils sont partis dans le désert. They went to the desert. Arrivés dans le désert. When they got, ils ont commencé les histoires. They started. Dieu dit à Moïse. God told Moses. Moïse. Moses. Viens sur la montagne. Come to the mountain. Je vais te donner. I will give you. Les livres scellés des sept sceaux. The book sealed of seven seals. Ils marchaient. They were walking. Sans loi. Without a law. Sans livre. Without book. Amen. Donc ils étaient seulement comme ça. They were just like this. Par une église qui n'a pas. L'ouverture du sceau. The book that I don't have, they open the sceau. Donc c'est des hommes. Il dit, oh, Moïse. He says, Moses, monte. Go out. Je vais te donner le livre. I will show you the book. Moïse monte là-bas. Moses went out. Dieu descend. God came. Avec son propre doigt. His own finger. Il va écrire les 10 commandements. Who wrote the 10 commandments. Pendant que Moïse était sur la montagne. Moses was in the mountain. Et là-bas, ils ont commencé le culte de l'Égypte. They started the church, Egypt church. Ils ont appelé tout le monde. They call everyone. Toutes les femmes qui étaient là. Everyone that was there. Vous avez un peu de vos chaînes. Give us your vos chaînes. Your necklace. Oui. Et vos boucles d'oreilles. Les câbles. Ils ont pris ça. Ils ont mis ça dans un récipient. Put in somewhere. Ils ont chauffé. The warm it up. Ils ont fabriqué le vol. They made that golden cow. Amen. Et cela était devenu l'objet d'adoration. And that was the object of the worship. Amen. Les matérialismes. All materials things. Et Moïse là-bas. Moses there. Avec les livres, c'est les the book, seals of sacrifice. Ah! Oh, Dieu me
nous a donné vraiment la parole. Amen. Donc quand j'ai vu des salles là-bas, le peuple s'est pas content. Moïse a des salles là-bas. Il voit une autre religion dans ce sujet. Amen. Dans l'église de Moïse, une autre religion. La religion de Jésus. Religion. Et nous croyons Moïse. Nous, 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 nous. Nous disons le Seigneur Moïse a dit. Nous répétons Moïse. Mais les femmes n'ont répété la foi là-bas. Amen. What did that cow, golden calf, do in there? Parce qu'avant de faire quoi que ce soit, before doing anything, il devait attendre Moïse. Ils sont supposed to wait Moses. Ils ont pris Aaron. Mais toi, tu es le grand frère de Moïse. Moïse, tu es là. Toi, tu es plus âgé que lui. Il va prendre la parole de Moïse. Ah, fais-nous. Nous allons le do a cup of coffee. Mais plus âgé que Moïse. Aaron was older than Moses. Mais il n'avait pas la commission. But he didn't have the commission. Moïse n'avait la commission. Moses, who had the commission. But il n'avait pas demandé Moïse. He was supposed to ask Moses. Si c'est bon. If it's good. That's man. The man is allowed to be religious. Mais il n'aime pas accomplir la volonté de Dieu. But he doesn't like to accomplish the will. Brother, si on est religieux, if we are religious, ça accomplit la volonté de Dieu. If that accomplish the will of God, faire ton temps, to wasting your time. Je te dis ce que je veux. C'est ici que tu es païen. Now, if you are a pagan, va pour toi à la volonté de Dieu. Go to the bois. Nachos, drink. Bois. Drink. Comme ça, tu meurs. Then you die. Tu vas en enfer. Because you know. Tu vas vivre comme un membre de l'Église. You want to live as a church member. T'es privé de beaucoup de choses. Donc tu te prives des choses. You don't do that things. Et à la fin, tu vas en enfer. And then you go to hell. Tout le perte. Down for us. Amen. Yeah. Donc c'est-à-dire, quand on est croyant, that's mean, if we are a believer, on fixe les yeux à Dieu. We fix our eyes to God. C'est-à-dire qu'on fixe nos regards au prophète. We look into the prophet. Tout ce que nous voyons, everything that we see, c'est ce que le prophète a dit. What the prophet said. Dans le cas contraire, otherwise, ça sera pour nous une nourriture contaminée. It will be a contaminated food. Amen. Je ne peux pas prendre cette parole. I cannot take this word. Et en avoir la même compréhension que les Pentecôtistes. And have the same understanding. Now, nous lisons la même Bible. We read the same Bible. Mais la compréhension, but the understanding est différente. It's different. Voilà la raison pour laquelle il y a plus de temps. C'est pas de 100 églises. That's why there is more than 100 churches. Tout le monde dit qu'ils sont chrétiens. Everyone says that. Nous sommes des croyants. Nous croyons la Bible. We believe the Bible. Amen. Mais, but, ils ne voient pas la même chose. They don't see the same thing. Les catholiques sont là. Les protestants sont là. Les pentecôtistes sont là. Mais qui a la vérité? Who has the truth? Et ils ont des quartiers généraux. They have headquarters. Ils ne peuvent rien faire. Jusqu'à ce que le quartier général décide. Moïse n'avait qu'un quartier général. Moses had one headquarter. C'était Dieu. It was God. Et aujourd'hui, today, notre quartier général, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous le regardons à lui. Si il veut quelque chose, une lumière, nous on avance. C'est lui qui reste. Il reste. Il sait. C'est toutes les fois que Jésus qui décide. Il est et je répartirai aussi sur un avocat. Allons. Même si tout le monde est contre moi. Even if everyone is against me. Je marche avec les sept que Moïse a. I walk with what Moses said. La nourriture des générales. Food, Egypt food. Les avait tellement rempli le ventre. Food their belly. Quand il parlait, when he was talking, ça sentait l'Egypte. It was smelling Egypt. Vous voyez, quand il y a le barking, quand il faisait, comment on appelle ça? Tout bas. Non, non, non. Hein? Renvoi. Quand il faisait le renvoi, when you were doing the Egypt. Et Moïse a eu de grands problèmes à cause de ça. Moses had a great problem. À un certain moment, ils avaient tellement commis de dégâts. He did so many mistakes. Dieu dit à Moïse. God told Moses. Il dit Moïse. C'est Moses. Là c'est trop. Enough is enough. Demande au peuple. Ask the people. Qui est réellement pour un message? Who is the true message believer? Qui suit vraiment ce que Moïse a dit? Who follow what Moses said? Et séparez-vous. Separate. Moi-même je vais agir. Master, I will do the job. Moïse va convoquer l'assemblée. Moses could bring them. Qu'est-ce que celui qui est avec moi? The one who is with me puisse passer de ce côté. Goes on this side. Amen. Et les autres, ils sont passés. And they are un petit nombre. A small group. Vous restez là. Vous ne comprenez pas. Et c'est avec toi. Et
La
semence de Dieu demeure en lui. Because the seed of God dwells in him. Amen. Yeah. Il ne s'agit pas du corps. It's not about the body. Le corps demeurera péché. Body will still be sin. Mais mon âme, but my soul is sans péché. It's without sin. Amen. Parce que Jésus est sans péché. Because Jesus is without sin. Voilà de la mer de rien. So in the sea of brass, montrer par là le jugement. Speaking of judgment, le Pharaon dit. Pardon, savez-vous quel les rien représente la Bible? Do you know what brass represents in the Bible? Le jugement. The judgment. Oh, quand vous voyez la mer de rien, when we see the sea of brass, cela veut dire que nous avons déjà dépassé la prochaine. That's mean we have already passed Revelation chapter 4. Parce que c'est la prochaine. That's in Revelation chapter 4. Qui a émis le tonnerre et les éclairs. That's where he had thunders and et les éclairs, lightning. And lightning. Amen. Amen. Quel représente un serpent? Which represents the serpent. Le serpent du serpent signifie que le péché était déjà jugé. The symbols of the serpent shows that the sin was already. Parce que dans le jardin, because in the Garden of Eden, il avait dit, he said, que son talon écrasera la tête du serpent. That his heel will destroy the head of the serpent. Et beaucoup d'années plus tard, many years after, nous avons vu Jésus sur la croix. We saw Jesus on the cross. En train d'écraser la tête du serpent. Destroying the head of the serpent. D'ailleurs, l'histoire du péché avait pu faire déjà à la croix. The issue of sin ended in the cross. Parce que si nous sommes encore des péchés, because if we still sin, après la mort de Jésus, after the death of Jesus, on sait qu'on restera pécheur. That's the dream. We will remain sinners forever. Amen. Jamais on sera sans péché. Jamais on sera sans péché si on ne croit pas que Jésus nous a payé le prix. Never, we will never be without sin if we don't believe that Jésus nous a déjà rendu parfait. Or we don't believe that Jesus has made us perfect. Amen. Parce que même les églises, even the church ages, quand Jean veut regarder, when John looked, il voit quelqu'un qui était semblable au Fils de l'homme. See someone who is like the Son of Man. Amen. Parce que quand Dieu regarde, because when God looks, et il ne voit pas les humains, he doesn't see men. Lui, il voit Jésus. He sees Jesus. Il voit l'Esprit de Dieu en lui. He sees the Spirit of God. Il se voit lui-même en lui. He sees himself in us. Parce qu'il habite en nous. Because he lives in us. Amen. Paradoxe. Pourquoi tu regardes là au ciel? Why are you looking up in heaven? Dieu n'habite pas au ciel. God doesn't live in heaven. Il dit, oh, non, Dieu n'habite pas au ciel. God doesn't live in heaven. Dieu habite dans les êtres humains. God lives in men. Amen. Parce que c'est ça l'objectif. That was the option. Le troisième dessin. The third of the établir le royaume et le cœur du royaume. Was to restore the kingdom in the heart of Dieu se cache et se révèle à la scène. God is living in the revealing scene. Les fleurs sont déjà là. Third place, I mean. Mais les gens ne se rendent pas compte. People don't notice. Attends, je vais essayer de faire. Listen, wait, you saw what I'm saying. Il dit quand Jean a vu la mer de glace. When John saw the sea of glass, elle était claire comme du cristal. It was clear as a crystal. J'aime ça. Il dit qu'est-ce? He said what is? Maintenant, là, le prophète donne l'explication. And then the prophet is giving an explanation. Et la parole avait été retirée de la terre. He said the word was taken away from earth. Enlevé avec l'église. Ruptured with the church. Amen. Bon, la Bible était là. The Bible was there. Amen. Parce que la parole, c'est pas la Bible. Because the word is not the Bible. Amen. Parce qu'au commencement, il y avait la parole. In the beginning was the word. Mais au commencement, il n'y avait pas la Bible. But in the end, was the Bible. On a pris la parole. Now took the Bible. On a mis ça ensemble. We put it together. Et on appelle ça la Bible. And we call it Bible. Et quand tu meurs, when you die, tu laisses la Bible. You leave the Bible. Mais tu amènes la parole. You take the word. Amen. Parce que la parole, it was the word. Ce sont les enfants de Dieu qu'on a, qui sont ici. It's the children of God who are here. Depuis le commencement jusqu'à la fin. From the beginning to the end. Ce sont les êtres humains. It's human beings. Il y avait Abraham. Et ils n'étaient pas déjà extraordinaires. They were not extraordinary people. C'était des gens normaux comme toi et moi. People, normal people like you. Et aujourd'hui même. Today. Nous sommes plus qu'Abraham. We are more than Abraham. Amen. Parce que la Bible dit. Because the Bible says. Abraham a vu la nouvelle cité. Abraham saw the new city. Et il a salué les gens. Ils n'arriveront jamais à la perfection. Yeah, we never get to perfection without us. Donc nous nous étions une condition sine qua non. Oh, sorry. Nous étions une. Donc c'est une condition, une obligation. It was an obligation. C'était une condition obligatoire. It was an obligation condition. C'est-à-dire Abraham, in his Abraham, malgré sa grande foi, no matter his great faith, Moïse.
Moses, malgré sa grande foi, il ne pouvait pas arriver à la perfection sans moi. They couldn't get to perfection without me. Amen. Sans nous, without us, ils ne pouvaient pas arriver à la perfection. They couldn't get to perfection. Abraham avait vu m'exceller. Abraham saw him, she said it. Il a parlé avec lui. He spoke with him. Il lui a donné le pain et le vin. He gave him the bread and wine. Mais il n'a pas vu la cité. Il a parlé avec Mélisédek. He spoke with Mélisédek. Et après Mélisédek est parti. Mélisédek left. Il est parti dans la cité. He went to the city. Mais lui il est là. But he stayed there. Et la Bible dit, Abraham a vu la cité. Abraham said, et il a salué le nom. He went with him from far. Amen. Mais nous, nous là, nous sommes bel et bien. We are dans la cité. In the city. Amen. Amen. Dans la cité où la lumière est la lumière. In the city where the light is the light. Parce que la lumière, ce n'est pas une ampoule. Because the light is not the bulb. La lumière est une connaissance. The light is a knowledge. Quand la connaissance arrive, when the knowledge, une ouverture de soi, the opening, c'est la pensée de Dieu qui est dans l'homme. The mind of God is on in the man. Et quand on est dans l'homme, when we look into the eyes, on a déjà frappé par le fléau. We see people beaten by the. Amen. On a, j'ai vu une église en Afrique du Sud. I saw a church in South Africa. On dit aux gens, mangez l'herbe. Go and eat the grasses. Vous avez vu ça sur l'internet? You see it on the internet. Ce sont des fléaux. Those are flies. Frappé. Beaten. Comment est-ce que tu manges le grass? Go and eat the grass. The grass. How can I eat the grass? How can I eat grass? Ça c'est tout dans la Bible. Where is in the Bible? Jésus n'a pas fait manger les gens le grass. Jesus didn't go feed people grass. Mais quand on reste dans l'église, when we come church, l'église fait là de tout ce qu'il veut. The church will teach you whatever you want. Amen. Fléau. Frappé les gens. Mais nous qui sommes avec us who are one, nous qui sommes dans la cité, we who are in the city, la cité de paix, the city of peace, la là où coule le lait et le miel, where there is honey flowing, honey and milk, amen. Milk and honey, le lait et le miel, milk and honey. C'est pas ce qu'on va dire. It's not what we said. Amen. La Bible est écrite en symbole. The Bible is written in symbols. Les promesses que les gens attendaient ou attendent. Promise that people were waiting or are waiting for. Nous sommes là dedans. We are there. Voilà pourquoi la fois passée on a dit que. That's why last la venue de la pierre de feu. The coming of the headstone. C'est le scandale. It's a scandal. Nous scandalisons. Amen. Ce que les gens attendent pour le futur, why people are waiting in future? Nous nous disons, we are saying, aujourd'hui, today, cette écriture, the scripture, est accomplie. Amen. Sous vos yeux. In your house. Face à la cité, ce n'est pas d'une manière à frapper les gens. That's how you were waiting to attract them. Jésus a été clair. Jesus was clear. Il dit, he says, qu'il reviendra, he will come, établir le royaume, establish the kingdom, dans le cœur du monde, in the heart of man. Et quand tu es dans la cité, when you are in the city, dans le royaume, in the kingdom, c'est là où tu vois maintenant tout ce qui se passe là. It's when you see everything that's happening there. Comme l'Égypte, quand l'Égypte, Israël était à Goshen. When Israel was in Goshen, il entendait seulement les cris. They heard. Les gens criaient là-bas. People shouted there. Mais elle là-bas à Goshen. But them there in Goshen. Tranquille. Calm. Mais nous aujourd'hui, but us today, nous ne sommes pas à Goshen. We are not in Goshen. Mais nous sommes dans la cité. We are in the city. Nous sommes en train de regarder tout ce qui se passe en dehors. What's happening outside? Nous attendons les gens de la ville. We are de la cité. In the city. Qu'ils amènent leurs honneurs. To bring their honors. Amen. Amen. Et il dit ceci. He says this. Maintenant, l'Apocalypse 15. In Revelation 7. Les restes de la semence de la femme. The rest of the seed of the woman. C'était les saints de la tribulation. It was the saints of tribulation. Qui était passé par la tribulation. Which went through the tribulation. Amen. Donc c'était la vierge pour nous. It was a foolish virgin. Qui s'était sur la même verre. That stood at the sea of brass, the blade of brass. Et elle était remplie de feu. And she was filled with fire. De sang. Of blood. Et de flammes rouges qui jaillissaient. And red flame that was shining. Et c'était le feu de Dieu. It was the fire of God. Et ils avaient vaincu la bête. They overcame the beast. And the parenthèse. In brackets. Oh. Wrong. Parce que la bête, because the beast, c'est une puissance, it's a power. Amen. Ce n'est pas un mouton. It's not like a lamb or a goat before. C'est comme on calcule la puissance avec des chevaux la paix. Ça c'est difficile. Écoutez, listen. Ils ont vaincu son nom, de overcome the shadow. La lettre de son nom, the image, the shadow of the letter. The letter of his image. His image.
C'est quoi l'image? What is the image? La confédération des églises. The confederation of the church. Amen. Le pape. The pope. C'est lui qui a persécuté les chrétiens. He's the one who persecuted the Christians. Christians. Si il y a les États-Unis, if there's union to say, c'est parce qu'il y a une persécution ici. It's because they had persecution here. Les gens ont quitté l'Europe. People left Europe. Pour aller se cacher là-bas. To hide there. Pour prier en liberté. Pray freely. Et le pape quitte l'Europe. And Papa leaves Rome. Il est parti aux États-Unis là-bas. What union to say, il s'est établi là-bas. He established himself there. Et c'est lui qui est devenu chef. And he's the one who became the chief. Et quand il est revenu, when he came back, il regroupe toutes les confessions. And he brings all, he gathers all the confessions. All that. Dans un mouvement. In a movement. Qu'on appelle le mouvement écuménique. Ecumenique. Amen. Movement. Vous ne croyez pas la même chose. You don't believe the same. Les catholiques croient Marie. The Catholics believe Mary. Et les protestants ne croient pas Marie. The Protestant doesn't believe Mary. Mais comment est-ce que vous êtes ensemble? How are you together? Et dans le mouvement écuménique, il y a même les juifs orthodoxes qui sont là. Even Jews, Orthodox Jews in there. Et il y a aussi les musulmans. And there's also Muslims. Quelle confusion. What a confusion. Nous voilà de nouveau dans le livre de Genèse. They are again in the book of Genesis. Ah, nous sommes encore dans Tour de Babel. We are again in Babel, the Tour de Babel. Parce que elle-même, elle est la mère de toutes les prostituées. Him, her herself, she's the mother of all prostitutes. Donc toutes les églises se sont délivrées de la prostitution de catholiques. All churches are drunk with the prostitution. Catholic prostitution. Et quand la coupe sera versée, and when the cup will be poured, ça va dévoiler tout ça. It will reveal all that. Amen. Amen. Écoutez, listen. Ils étaient sortis. They came out. Et par la prédication de Moïse et d'Élie. And by the preaching of Moses and Elijah. C'est deux prophètes qui apparaîtront en Israël. Two prophets which will appear. Will appear. Pour faire sortir le groupe des gens. To bring out the group of people. C'est celles qui passeront par la période de la tribulation. These saints are the ones who go through the period of tribulation. Élie et Moïse apparaîtront. Elijah and Moses will appear. Mais dans cette période de 3 ans et demi, in that period of 3 and a half years, pendant les 50 ans qui sont appelés, while the 144,000 are called, et il y a aussi la version qui paye le prix. And there's also the foolish version paying the price. Donc c'est elle qui se tenait à la main de Dieu. The one who's standing at the sea of glass. L'épouse est avec lui. The bride is taking. Amen. Amen. Bon, si l'épouse est avec lui. If the bride had to. Il y a des gens qui seront levés. Is it only gentle that will be raptured? Mais les Juifs. What about the Jews? Les Juifs ne connaissent aucune promesse dans la vie. The Jews don't have any promise of the rapture. Oh, Dieu n'est pas des Juifs. God is not just. Si, il faut vraiment amener les gens là-bas. If there's to take people there. Pour donner leur manger. To give them food. Et laisser les Juifs. And leave the Jews. Leave the Jews. Ça, ça ne sera pas juste. It won't be just. Oh, le fait qu'on a dit. For balance. Que les sacs de la nature. The four of. 144,000. On formait l'escorte de l'épouse. Made the escort of the bride. L'escorte de l'épouse. The escort. C'était les ennemis du temple. It was the union of the temple. Amen. Oh, pour qui puisse faire l'escorte de l'épouse? To escort the bride. Donc on va arriver à la fin de la de 3 ans et demi de la tribulation. We have to reach the end of the 3 and a half years of the tribulation. Parce que tout se passe à la même période. Everything is happening at the same period. Et quand nous dépassons, c'est la même du passé. C'est là que le flot s'introduit. That's when the blood goes on. Écoutez. Vous voyez, l'église sera déjà enlevée à ce temps-là. See, the church will be ruptured. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Revelation chapter 3. Non, Revelation chapitre 4, troisième partie. Revelation chapter 4, third part. L'église sera déjà enlevée à ce temps-là. The church will be ruptured at that time. Mais souvenez-vous. I remember. L'épouse est sur le trône. The bride is in the throne. Is on the throne. Parce que Jean typifie l'épouse. Because John mean typified. Dans le quatrième sceau au chapitre 4 de l'Apocalypse. In Revelation 4 of Revelation or au chapitre 4 de l'Apocalypse. In chapter 4 of Revelation. Jean est monté. John went out. Quand Jean est monté, when John went out, il voit le trône. He sees the throne. Il voit quelqu'un qui est assis. He sees someone sitting in the throne. Il dit qui est digne. He says who is worthy. D'ouvrir le livre. To open the book. Et briser le sceau. And break up and reveal the seal. Break the seal. Et en ce moment-là, and at that moment, il n'y avait personne. There were nobody. Et
un monsieur est sorti. And a man came out. Pour déguiser. C'est l'agneau. It's the lamb. Qui a vaincu pour ouvrir le livre. Who overcome to open the door. Et to break the seal. Et c'est là qu'il était au niveau du. And that was on the throne. Parce que le trône était au ciel. Because the throne was in heaven. L'épouse était déjà au trône. Bride was already in the throne. Amen. Amen. Pendant qu'il y avait la tribulation. While there was tribulation on earth. L'épouse était sur le trône. The bride was in the throne. Il dit. He says. La période de tribulation, the period of tribulation, ont vécu dans le royaume, live in their kingdom. Amen. Parce que la descente de la nuée, because the coming of the cloud, c'est la venue du royaume. It's the coming of the kingdom. Parce que le royaume qui était au ciel, it was the kingdom that was in heaven, qui est descendu, that has come down. Amen. La nuée de la Bible, the cloud in the Bible, a toujours été Dieu. It was always God.